Il a aussi dit qu'il a beaucoup participé à la réussite de cette soirée. Celui-là même qui est quelque part, c'est mon cœur. Des fois, on dit qu'on n'adore pas les maris. Mais on a ma soeur et moi, c'est le mari de ma soeur. Et donc, lui, c'est notre chéri, c'est notre chouchou. C'est lui qui est notre pilier, c'est lui qui fait tout. Quand ça chauffe, c'est vers lui on va et puis on se réfugie. J'appelle ici les chevaux, je l'aime. Vous avez vu une jolie danseuse. Bon, on ne touche pas, c'est pour ma soeur. Ah oui. Choco, choco, choco. Mais on ne touche pas, il est cadeau des gens. Bien joué. Madame, nous, on a besoin de toi ici. Tu restes là avec nous. Madame va venir. Parce que derrière un grand homme, tout en grand homme, il y a toujours une grande dame. Elle admirait cette beauté. Admirez-la. Elle, comment elle est jolie, là, ma soeur. C'est ma chouchou. C'est grâce à elle que nous sommes là. Donc, on est remercie, monsieur et madame Pou. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait cette année pour la nomination de l'intérêt des états d'Afrique. Merci beaucoup. Alors, une autre dame, vraiment, on a des personnes formidables ici ce soir. C'est vrai que on n'est pas peut-être si nombreux que ça, mais nombreux quand même, pas si nombreux que ça. Mais des personnes qui sont là, c'est des personnes de qualité tous. Et ça, franchement, applaudissez-vous. Madame Alexandra Rossard, elle était là. Elle est partie. Ok. Alors, j'appelle la DETA en IFI. Madame Tina Jusson. Elle n'est pas là, elle est excusée auprès de nous. Ah, elle est là, ok. Elle a tout fait pour elle. C'est une grande dame qui défend pratiquement tous les mariages ici, tout ce qui est beau. Alors, grâce à elle, vous avez des choses importantes. Chère madame, chère charmante dame, tu es notre chérie. Tu fais un formidable pour nous. Je te remercie. Voilà. Pour ta solidarité, un visage de l'air pour la situation de la société. Alors, on donne les diplômes, on ne s'oublie pas. Hein. Voilà. C'est un diplôme d'honneur que je donne à mes collègues qui ont été solidaires de moi. Et pour vous qui êtes là, les étoiles d'Afrique, une grande étoile d'Afrique, Adeline. Bien sûr. Ouais. Alors, je vais appeler ici M. Moretti, connaît qui a été. Un parrain exemplaire, car il y a beaucoup pour cette soirée de la solidarité et des états d'Afrique. Monsieur Frédéric Monique, s'il vous plaît. Merci, monsieur Frédéric, pour tout ce que vous faites. La première édition, je vous remercie, monsieur. Alors, sans elle, cette soirée n'aurait pas avoir lieu. Oui, des fois c'est petit, mais c'est costaud. Il y a des gens comme ça, qui, des enfants, des jeunes, qui ont cette vocation d'avoir cette solidarité mais vraiment soudaine, qui n'ont même pas besoin qu'on leur fasse des éloges, mais qui se décident comme ça, malgré qu'ils n'aient pas peut-être les moyens qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est la solidarité, quel que soit le niveau de vie des personnes, et nous sommes pour la cohésion sociale. Et c'est pour ça que nous choisissons des personnes, que ce soit des
des gosses, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes âgées, on choisit une personne qui est volontaire. Beaucoup ici ce soir se posent des questions. Pourquoi il n'y a pas eu des grandes personnes qui sont là? Non, nous on veut traiter tout le monde, on veut traiter la jeunesse, on veut traiter tout le monde, les personnes âgées, ceux qui sont surtout volontaires. Et c'est pour ça que je vous demande d'acclamer cette jeune fille même qui, sans elle, on ne serait pas là ce soir. Mademoiselle Siaou Soumaro Emery. Thank you.
Ok. Bon, je remets ce diplôme à madame. Ah, j'ai une amie ici formidable ce soir, quel que soit tout ce qu'elle traverse depuis si peu. C'est une femme formidable. C'est une fabuleuse. Et cette dame, c'est une grande dame de la Côte d'Ivoire que j'apprécie beaucoup depuis très longtemps. Madame Brigitte Sand, s'il vous plaît. Merci de ta gentillesse. Merci de tout ce que tu fais pour la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Georges Coëlou. Merci pour ta solidarité. Alors, il y a des personnes dynamiques ici et des personnes de qualité ici ce soir dans cette salle. Et moi, c'est ce qui me satisfait et c'est ce qui me plaît dans cette histoire. Le frère que je vais appeler très dynamique. Dynamique dans tout ce qu'il fait et aussi beaucoup social. J'appelle ici M. Notoire Ziedoua Emmanuel. De la Côte d'Ivoire et bien sûr, marraine de la nuit de la Côte d'Ivoire.
solidarité et de l'étoile d'Afrique. Est-ce que ce n'est pas une étoile? Elle brille. L'année prochaine, nous n'irons pas encore en Europe. Nous serons encore ici aux États-Unis. Oui! À Washington, à New York, et papa. C'est un rassembleur. Il a su rassembler les Ivoiriens ici même à Philadelphie. J'ai nommé M. Franck Saou. Président Franck Saou, pour vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est avec honneur et plaisir que je prends ce côté. Je remercie tous les organisateurs. Et je pense que tout le monde a déjà dit l'année prochaine passera pour le monde pour réussir à tout le monde. Je dis merci à Dieu, je dis merci à tout le monde et rendez-vous l'année prochaine pour un autre événement aussi meilleur que celui-là. Merci. Merci, Camille. C'est un chef. Il est reconnu pour être celui-là même qui est un sage et qui donne des conseils à plusieurs associations. J'aimerais donc qu'il vienne vous rejoindre, chef B, le chef du village, pour vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous veillerons au niveau du Bois TV que cette
aille en avant et que cette soit reconnaissante au fil du temps et au fil de l'année. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Adélise, artiste chanteuse. Je suis invitée à cet événement qui a été mis en place par Julie Mambéa. Je trouve que la soirée a été belle. Pour une première édition, je trouve que c'est une réussite. Donc voilà, je lance un appel aux Ivoiriens de la diaspora, aux Ivoiriens résidents dans tous les États-Unis, de venir l'année prochaine à la deuxième édition qui aura lieu. On vous donnera la date, on vous donnera le lieu. Et je souhaite que cet événement soit soutenu, que Julie Mambéa soit soutenue dans cette démarche, parce que ça concerne les Ivoiriens, c'est une œuvre humanitaire. Donc chacun de nous doit donner un peu de soi pour que cet événement réussisse. Donc vraiment, je félicite tous les organisateurs de cet événement. Et puis je dis aussi merci à Ivoire TV pour le soutien qu'ils apportent à tous les artistes, à tous les événements concernant la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup à tous. La fête était très belle. Bonsoir, je m'appelle Franck Moussou-Saou. Je suis ancien président des Ivoiriens de la Delaware Valley. Avant tout propos, permettez-moi de vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur vos antennes. Écoutez, pour cette première édition de la Nuit des Étoiles, je tiens d'abord à féliciter tous les organisateurs pour cette manifestation, cette soirée vraiment très intéressante. La déco, la nourriture, les artistes ont été vraiment de qualité. C'est tout à fait une première édition, donc nous encourageons encore notre sœur Julie à venir l'année prochaine. Et cette fois, j'espère que ça sera encore plus grand que cette fois-ci-là. Je tiens aussi à remercier à côté de Julie toutes celles et tous ceux qui l'ont aidé à vraiment de faire de cette première édition une soirée vraiment très réussie. Donc, en tant que résident de Philadelphie, je ne peux qu'encourager ce genre d'initiative et que prochainement, nous allons être en contact pour qu'il y aura plus de monde. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Et bonsoir, je m'appelle Nabi Dosso, l'étoile du Orodrou, artiste ivoirienne. Et on est venu depuis 2 ou 3 jours, on a commencé à New York jusqu'à Philadelphie ce soir. On était venu pour la Nuit des Étoiles de l'Afrique. L'association, et franchement, on a passé une très bonne soirée. Il y a eu du beau monde et on a fait vraiment carton plein. Et on invite vraiment, là c'était la première édition, on invite tout le monde à venir nous soutenir l'année prochaine parce que c'est une association qui récompense les bienfaits, les meilleurs de l'Afrique, les meilleurs éléments de l'Afrique. Comme vous avez pu le voir ce soir, il y a beaucoup de gens qui ont été récompensés par rapport à leur travail, par rapport à ce qu'ils font tous les jours. Donc nous, en tant qu'artistes, notre rôle, à côté de Julie Mambéa, qui est la présidente de cette association, donc notre rôle, c'est de venir soutenir tous les acteurs vraiment positifs de l'Afrique. Julie Mambéa, voilà, je suis la présidente de cette organisation de la Nuit des Étoiles d'Afrique, la Nuit de la Solidarité des Étoiles d'Afrique. Donc en tout cas, au nom du comité et moi-même, alors je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à cette rencontre et à cette belle fête. C'est vrai, pour une première édition, vraiment j'ai eu des personnes de qualité et ça c'est exceptionnel. Voilà, vraiment c'est... pour les prochaines éditions, mais on espère avoir plus de monde encore, plus de bon monde, voilà. Et voilà, je suis satisfaite du moment où tous ceux qui ont été nominés étaient là. En fait, je ne sais pas, la fête était trop belle, voilà.
Ceux qui étaient absents, ben les absents ont eu tort. Voilà. Donc tout ce que je peux dire aujourd'hui, ben c'est qu'on se dit à l'année prochaine, si Dieu le veut, voilà, pour la deuxième édition. Alors nous appelons tous ceux qui sont intéressés par cet événement à nous rejoindre parce que c'est un événement de solidarité. C'est tout simplement pour la cohésion sociale et d'entraide. Voilà. Donc je remercie aussi Voix TV qui a fait la couverture de cet événement. Merci encore et bon vent. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.